Bonsoir à tous et bienvenue à Las Vegas pour ce 01 Live numéro 2. Je vous rappelle que jusqu'à dimanche soir prochain, 01 TV vous propose chaque jour une heure entière dédiée à l'actualité de ce CES 2017. Et nous sommes en direct, il est 20h chez vous et il est, quelle heure chez nous? 11h. Il est 11h François, et des poussières. Merci d'être là en tout cas, c'est exceptionnel, bienvenue. Un rendez-vous régulier consacré à l'actu du CES pendant une heure. Et c'est sur 01 TV que ça se passe. Nous allons parler aujourd'hui, François, de voitures autonomes. Et oui, voiture intelligente, gros dossier. Hein. Avec pas mal d'annonces du côté de chez Renault, Nissan et une interview exclusive de Carlos Ghosn tout à l'heure. On verra également ce qui se passe du côté de la télévision. Hier, nous avions un représentant de Samsung qui était avec nous et on espère bien aujourd'hui rencontrer un représentant de LG. Ah. Voilà, c'est logique. Hein. Et vous allez découvrir dans ce 01 Live l'écran de télé le plus fin du monde. Voilà, et puis tout à l'heure on va parler avec Raphaël Grabli de smartphones, mais aussi de drones, et notamment un drone super, c'est un drone selfie qui a l'air vraiment génial et qui tient dans la poche, Jérôme. Génial, ça c'est Raphaël qui nous fera le point. Mais juste avant, petit zoom sur les principaux faits d'actualité de ce deuxième jour au CES de Las Vegas. Et avant de retrouver nos coups de cœur de ce CES jour 2, je tenais à vous dire que nous étions sur le centre de la Poste, hein, évidemment, hein, comme chaque jour jusqu'à dimanche, et que nous sommes en direct, donc avec le hashtag 01live sur Twitter. Vous pouvez nous laisser vos messages, vos petites questions, vos petits coucous aussi. Les robots sont dans tous les coins du CES 2017 de Las Vegas. C'est vraiment le CES du robot, hein, quand même. Il y en a énormément. Oh, c'est ce que tu disais. Des petits robots qui, bon, pour l'instant, ils savent pas descendre la poubelle. Hein, ouais. Ni les escaliers. Mais ils font des choses intéressantes. Hier, on vous parlait du hub de LG. Ouais. Eh bien, regardez, Sony, le japonais Sony, est en train lui aussi de préparer un petit robot. Alors, il est tout petit. Hein, c'est une petite machine comme ça qui se pose sur la table, mais qui devrait remplir à peu près le même rôle. Donc c'est une interface vocale, visuelle, pour piloter les objets de la maison. Lance la télé, montre-moi mes photos de vacances sur le téléviseur, allume la musique. Voilà ce qu'on pourra demander à cet appareil qui s'appelle le Xperia Agent, qui pour l'instant n'est qu'un concept. On insiste beaucoup sur l'idée de concept chez Sony, ce qui prouve bien que c'est quand même pas encore prêt. Ouais. En général, quand on vous balance concept comme ça... Ouais. Faut pas être pressé. Faut se méfier. Hein. Mais ça veut dire qu'ils sont un petit peu en retard, hein, parce que ça va très très vite chez d'autres concurrents. C'est le cas chez LG où il y a pas mal de robots. Hein, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Stéphane Curtelin, notre invité. Mais du côté de chez LG, quand même aussi, ça c'est leur fonds de commerce et des télés. On a pu voir, Jérôme, sur le stand d'LG, une télé mais vraiment sublime, ultra fine. Ça, c'est l'une des attractions du CES cette année. C'est probablement le téléviseur le plus fin avec une dalle de 2,57 mm à peine. Ça nous fait l'équivalent de deux cartes bancaires posées l'une sur l'autre. Regardez, quand elle est de profil, on la voit presque plus. On la voit presque plus. Et alors là, en plus, bon, alors malgré tout, il triche un petit peu parce que la dalle fait 2,5, mais il faut rajouter le cadre, etc. Donc on double à peu près l'épaisseur. Mais il n'en reste pas moins que c'est absolument magnifique. Elle est tellement fine qu'elle est un peu souple, en fait, cette dalle. Et surtout, elle a un système de fixation au mur très original. Ce sont des aimants. Elle est simplement posée, fixée avec des aimants contre le mur. Alors il faut d'abord évidemment fixer au mur une espèce d'empattement métallique, hein, à moins d'avoir un mur métallique chez soi, ce qui est assez rare quand même. Ah bon, moi non, j'ai que ça chez moi. Et puis particularité, alors ce machin blanc au milieu qu'on voit, cette espèce de nappe. Plutôt noir, tu veux dire. Enfin, blanc-noir, suivant le langue sous lequel on se place. Ce sont les câbles. Parce que vraiment, c'est une tendance, les constructeurs veulent faire disparaître les câbles. Et donc si vous fixez votre télé au mur, vous aurez cette nappe ultra fine, il vous suffira de mettre un coup de peinture dessus ou autre. Voilà, Stéphane Curtelin, donc l'un des patrons d'LG, sera avec nous tout à l'heure. Si vous avez d'ores et déjà des questions sur ces nouveaux produits LG, n'hésitez pas, on pourra faire l'écho de vos questions. Autre, alors, bon, ça c'est pas une véritable nouveauté parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines, mais j'ai pu approcher, toucher, caresser la nouvelle Surface Studio, Jérôme. Ah, tu m'as fait peur. Moi, je caresse les robots, toi, c'est les surfaces. Chacun son truc. Alors voilà, on était dans une petite salle privée où on a pu donc tester cette Surface Studio qui est franchement qui est magnifique. Déjà, elle nous avait tapé dans l'œil hein, quand on l'avait découverte il y a quelques semaines. Lors de la présentation officielle de Microsoft, c'était quand? C'était il y a quelques mois déjà. Voilà. Alors un écran de 28 pouces, immense,
avec une magnifique résolution. Tu vois toute l'intelligence, en fait, toute l'informatique, le technique est dans le pied dans le boîtier, de cette télé. Donc il n'y a plus qu'un câble, en fait, qui part au courant. Le reste, voilà, est tout dans le pied. Elle est vraiment superbe avec les, comment dirais-je, les, tu sais, les petits accessoires. Hein, donc la petite... Oui, la molette, là. Voilà, pour qu'on appelle le surface dial. Et puis la, c'est pour la gestion des couleurs, c'est exactement, ça exactement, tout à fait. Bon, c'est vraiment un outil de professionnel. C'est vraiment un outil professionnel. Rappelons le prix, 3000 euros. Oui. Et quand on pose la question, monsieur de chez Microsoft qui m'a fait la démo, il ne sait même pas quand ça va sortir en France. Ah, voilà. D'accord. Bon, enfin, et là, pour l'instant, ça commence à être livré aux US et au compte-gouttes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des vraiment très beaux produits. Allez, on termine cette séquence actu par un gadget, enfin, on ne devrait pas dire gadget d'ailleurs, un objet connecté français présenté, qui a fait pas mal le buzz dès l'ouverture, avant même l'ouverture du salon. C'est la brosse à cheveux connectée pour vous, mesdames. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, franchement, je... C'est WeThings qui sort ça avec L'Oréal, avec Kérastase. Une brosse à cheveux connectée, alors quand on vous dit ça, mais vous dites, mais c'est n'importe quoi, ils sont devenus mais fous. Mais ça sert à quoi une brosse à cheveux connectée? Et en fait, c'est pas idiot, c'est-à-dire qu'elle va analyser ton cheveu pour te dire s'il est sec, s'il est cassant, s'il est déshydraté. Si t'en as un peu moins. Si t'en as un peu moins, s'il s'arrache facilement, etc. Si tu es en train de les perdre lamentablement au fil des années. Et puis, il te guide sur la manière de te brosser les cheveux également. Je déteste cet appareil. Si la brosse, si la brosse s'aperçoit que tu fais des mouvements trop brusques, eh bien, sur l'application, tu auras des conseils de coaching. Voilà. Bon, et voilà, ça c'était notre petit débrief qu'on aime bien vous faire chaque jour. Nos petits coups de cœur qu'on découvre donc eh bien, en se baladant dans les allées de ce CES. Jérôme, oui, notre question orange quand même. Oui, c'est vrai. Alors, la question orange habituelle, chaque semaine d'habitude, c'est le jeudi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Elle concerne bien entendu le CES. Que retenez-vous du CES 2017 tel que vous pouvez le vivre à travers tous nos reportages? Dites-nous ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous frappe? Les robots, la voiture intelligente, les objets connectés ou encore les start-up françaises? Pour voter, www.01net.com. Voilà, vous avez toute la semaine, hein, bien évidemment. Allez-y, on fera un petit point tout à l'heure. Bon, Jérôme, on parle évidemment de beaucoup d'objets connectés, on parle de robots, de télé, etc. Mais l'une des grosses tendances aussi de ce CES 2017, c'est l'automobile. C'est l'automobile, absolument. On vous l'a déjà indiqué hier, beaucoup d'innovations. Et pour parler d'automobile, c'est notre spécialiste, David Noguera, qui est avec nous. Bonjour. Salut David. Salut David. Et David qui a pu découvrir un nouvel exposant, c'est la première fois qu'ils sont là, et apparemment ils cassent la baraque, c'est Nissan. Effectivement, ils sont là pour la première fois au CES, et ils ont beaucoup d'annonces et beaucoup de choses intelligentes. Alors, quand on dit Nissan, c'est Renault-Nissan, c'est l'alliance Renault-Nissan, avec bientôt Mitsubishi d'ailleurs. Oui, et puis c'est surtout qu'en fait Nissan est ici un petit peu plus connu quand même aux États-Unis. Renault parle pas du tout, donc du coup effectivement ils sont là sous la marque Nissan, mais c'est des développements pour l'alliance. Donc pour Renault et Nissan, ça concernera les deux marques. Avec Carlos Ghosn, donc le patron de Renault-Nissan, qui est monté sur scène, qui a fait une keynote ici. Hier soir, effectivement. Que tu as pu rencontrer, on va en passer un petit bout dans un instant. Qu'est-ce qu'il a annoncé, Carlos Ghosn? Il y a une vraie révolution qui se trame chez Renault-Nissan, non, là. En fait, la révolution, qui est en fait l'évolution un peu logique, c'est qu'ils semblent vraiment décidés à rattraper ce retard qu'ils ont pu laisser à certains grands constructeurs allemands. On les a vus à Paris, ils nous avaient déjà expliqué qu'ils étaient vraiment en train de travailler sur la voiture autonome et qu'ils souhaitaient vraiment mettre ça en avant. Et là, c'était vraiment le cas. Donc on a eu de belles annonces. Il y a eu un partenariat assez malin avec Microsoft, puisqu'on va rentrer dans le dur des annonces. L'une des annonces, c'était le partenariat avec Microsoft Cortana, et qui devient en fait le personal assistant dans la voiture. Voilà, donc, c'est-à-dire que pour conduire ou pour... Alors, pour conduire, mais alors, on peut conduire. Parce que Cortana, en avant. Écran bleu. Cortana, Fred Cortana. Aujourd'hui, écran bleu. Comme on n'en est pas encore, à la voiture autonome, évidemment que Cortana arrivera sur cette surcouche, comment occuper le passager lorsqu'il sera en conduite autonome. Voilà. Pour l'instant, c'est l'intelligence de Cortana qui est capable de dialoguer avec le conducteur. Le conducteur peut lui dire, on connaît déjà, dire à son GPS, emmène-moi à tel endroit. Ça, c'était quelque chose de simple. Oui. Mais finalement, aujourd'hui, Cortana va prendre le pas, anticiper, dire au conducteur, attention, j'ai détecté qu'à 50 mètres, il y a un bouchon. Est-ce que vous voulez prendre un itinéraire bis, le conducteur lui répond, le conducteur peut lui dire aussi, tiens j'ai oublié, est-ce que j'ai pas un rendez-vous aujourd'hui, si c'est le cas, emmène-moi à ma destination. Oui, tu as une secrétaire personnelle dans la voiture. C'est exactement ça, en fait. qui est branchée au cloud et qui du coup
peut combiner toutes nos données personnelles avec l'utilisation qu'on peut avoir d'une voiture. Et ça, c'était vraiment une annonce assez intéressante. Donc, il y a Windows 10 à l'intérieur du véhicule ou c'est simplement dans le cloud que ça se passe ? Les démos un peu plus techniques, moi, je vais rencontrer les équipes techniques de Nissan un petit peu plus tard, donc cet après-midi. T'as pas encore ce sera dans la nuit, donc on n'a pas encore toutes les infos parce que c'est pareil, pourquoi Microsoft, pourquoi pas Google et Apple, pourquoi pas s'être finalement pas rapproché de deux géants qui ont déjà Android Auto et CarPlay. Voilà, donc tout ça va pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse laisser le choix à l'utilisateur, comme aujourd'hui on choisit son cloud pour la bureautique. Tout à fait, sauf que là les interactions sont si poussées que je pense qu'il faut câbler la chose quand même au niveau des échanges qui peuvent se faire entre le cloud et le véhicule. C'est vraiment bien fichu. Ouais. Alors la voiture du futur, on en parle ? Alors le futur, l'idéal de. Bah, en fait, effectivement, on a eu quand même effectivement cette interview exclusive de Carlos Ghosn, un seul média français tech à qui il a bien voulu répondre. Et on lui a posé la question, on lui a demandé, selon Carlos Ghosn, quelle est la voiture idéale ? Autonome, je suis dans la voiture, je décide quand je veux conduire et quand je ne veux pas conduire. Connecté, je suis capable de connecter avec n'importe qui, vidéoconférence, etc. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que le design interne que vous voyez des voitures va totalement changer. Aujourd'hui, le design interne, il est conditionné par le fait que vous avez un moteur à combustion, que vous avez une boîte de vitesse, etc. Tout ça, ça va disparaître puisque nous allons de plus en plus vers des moteurs dans les roues. Évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de boîte de vitesse. Ça veut dire que ça va libérer l'espace interne. Donc vous allez pouvoir les installer à l'arrière, au milieu. Vous allez avoir des écrans partout. La voiture va être très différente. Et c'est très excitant, particulièrement quand vous êtes constructeur automobile, parce que ça veut dire qu'on est très loin de la commodité. On est très très loin d'une bataille de coûts. C'est une bataille technologique, mais avec une grande discipline. Autonome, Carlos autonome, Ghosn, je suis dans la voiture, je décide quand je veux conduire, quand je ne veux pas Renault, conduire. Renault-Nissan, est-ce qu'il a été évoqué l'électrique aussi ? Tout à fait, oui, il a dit qu'effectivement, ça allait être, c'est forcément la voiture du futur, la tendance. Il s'intéresse aussi aux énergies alternatives. Évidemment, il regarde de près tout ce qui est pile à combustible, etc. Mais la pile à combustible est encore très très chère à déployer. Il faudrait des stations-service qui sont beaucoup plus chères à créer que des simples stations de recharge électriques. Et puis surtout, l'électrique, pour l'instant, on en a tous chez nous, plus ou moins accessible si on est en appartement ou en pavillon. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que le gros focus est sur l'électrique plus conventionnel. Voilà, on vous a diffusé un petit bout de cette interview de Carlos Ghosn. Vous pouvez retrouver l'intégralité, une interview passionnante retrouver donc sur 01nettv.com. Elle est d'ores et déjà en ligne. David, juste une question encore. Les voitures, ce sera dans le futur comme dans les avions, avec deux systèmes informatiques séparés, un pour la conduite et un pour le divertissement ? Non, je pense quand on voit des solutions comme celle de Nvidia, par exemple DrivePX 2, qui regroupe toute l'intelligence, qui est capable de prendre en charge les capteurs, de prendre en charge les caméras et de gérer l'infotainment, je pense qu'il va y avoir une bagarre. Alors il n'y a pas que Nvidia sur le secteur. Mais il n'y a pas des risques à ça ? Mais bon, si un tombe en panne, on peut craindre que, mais bon, ça sera forcément sécurisé. Enfin. David, est-ce qu'on avance maintenant sur la réglementation ? On parle de réglementation ici ? Pas ou du pas tout. Pas du tout. Parce que c'est ça qui va être la clé du décollage de la voiture autonome, on est d'accord. Hein. Alors les constructeurs pour l'instant ont leurs autorisations pour faire les essais, mais oui, évidemment, il va falloir que la réglementation évolue, mais pour qu'elle évolue, il va falloir que les constructeurs justement montent patte blanche et qu'ils montrent que ça fonctionne, que c'est plus sécurisé. Ils sensibilisent en fait l'opinion publique. Il dit une chose intéressante, Carlos Ghosn, dans l'interview que tu as faite, il dit la voiture autonome sur autoroute en 2018, ce serait une réalité, et ce serait une réalité en ville vers 2022 pour les situations les plus complexes. Voilà, tout à fait. Et pour c'est demain, 2022. C'est dans À l'échelle industrielle, c'est demain. Mais pour ça, ils ont quelque chose. Alors, il faudra aller voir l'interview complète. Mais pour faire court sur une des innovations qui est très intéressante, ils se sont associés à la NASA pour créer SAM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, NASA est capable de piloter des robots dans l'espace. Et ils utilisent peu ou prou la même technologie pour piloter les voitures autonomes. C'est-à-dire qu'une voiture autonome, aujourd'hui, elle respecte le code de la route. Elle va arriver sur une route qui est barrée. Il y a des travaux. Elle ne peut pas passer. Il y a une ligne blanche. Elle ne sait plus quoi faire. Et finalement, elle va contacter un opérateur qui manuellement va retracer un itinéraire au véhicule en prenant en compte toutes les conditions de sécurité, puisque alors ça, on va en reparler juste après ce qui est en train d'apparaître à l'écran, mais qui est capable donc de prendre toutes les conditions de sécurité avec les capteurs du véhicule et les caméras pour finalement contourner l'embouteillage. Et automatiquement, cette voiture-là va dire l'itinéraire à cet endroit-là, s'il y a toujours l'obstacle, c'est de prendre ce nouvel itinéraire. Donc ça, c'est de la communication entre les véhicules, très amusante.
Et ce qu'on a vu juste avant, pour qui est donc toujours dans cette notion d'intelligent seamless autonomous alors, mobility. Ça c'est ça, voilà, c'est seamless autonomous mobility. Et le véhicule qu'on a vu juste avant, c'est un véhicule qui, voilà, celui-ci, qui en fait donc peut basculer en conduite autonome. Ah, le volant, le volant de la mort. Ce volant. Et en fait, lorsqu'il bascule en conduite autonome, alors on va essayer d'attendre juste au moment où on voit cette fameuse bande bleue. Donc là, Cortana. La voiture passe en mode autonome. Là, elle passe en mode autonome. Le volant disparaît. Exactement. Le conducteur peut faire ce qu'il veut. C'est iRobot, c'est assez bon. C'est de l'image, c'est de l'image de synthèse. Et alors, j'aimerais juste que si on y arrive, c'est sur ce véhicule en fait, il est parcouru d'une petite bande bleue. Parce que la difficulté, c'est que lorsqu'il y aura des véhicules autonomes, eh bien, il faut pouvoir informer les piétons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas connecter un piéton. Donc pour pouvoir dialoguer avec lui, il va falloir trouver des moyens. Et donc ce que Nissan a imaginé, c'est en fait une espèce de bande bleue qui parcourt le véhicule. Et lorsqu'elle détecte, vous voyez le petit point blanc qu'on voit là, ça, c'est l'emplacement du piéton ou du cycliste. Et il y a ce petit panneau d'affichage sur le vent qui lui dit je t'ai vu, tu peux y aller, arrête-toi, etc. C'est un feedback en fait. Donc voilà, donc c'est un espèce de feedback et finalement c'est une solution. C'est de la signalisation pour les piétons sur la voiture. Et moi j'ai trouvé ça très malin parce qu'aujourd'hui c'est la difficulté. Comment on communique avec le piéton? La voiture peut le voir, on le sait, elle l'identifie avec ses carrés verts, rouges. Mais comment la voiture dit au piéton? Il n'y a plus le regard du conducteur qui fait comprendre qu'on a vu le piéton ou le cycliste. C'est vrai. Très malin. David, merci beaucoup. David Nogara, notre expert auto-connecté. Il y a encore des choses à voir, non? J'imagine. Plein. Là, il y a énormément de choses. Parfait. Panasonic, Valeo, on réserve encore de super sujets. Avant de parler de télévision avec notre invité Stéphane Curtelin de LG qui va nous rejoindre dans un instant, on s'intéresse maintenant au smartphone et à un drone vraiment sympa avec Raphaël. C'est tout de suite. Comme tu veux, JD. Alors on enchaîne. On va enchaîner tout de suite parce que là, je vous mime la tête de JD derrière. Il fait comme ça. Donc quand il fait ça, c'est pas bon signe. Pas bon. Vaut mieux qu'on enchaîne. Oui, Raphaël Grabi est là. Salut Raphaël. Salut Raphaël. Le hashtag 01 live. Hein, si vous voulez dialoguer avec nous, dites-nous en direct ce que vous pensez sur de Twitter. Hashtag 01 live. Du CES. Raphaël qui arpente les allées de ce salon depuis 48 heures maintenant. Enfin, mal, hein. Puis j'ai fait un petit tour chez Asus et j'ai trouvé un truc pas mal. Alors bon, ils l'ont présenté, ils ont fait une conférence quand même là-dessus. Ça s'appelle le Zenfone AR, alors c'est toujours la gamme Zenfone chez Asus, etc. Ouais. Alors AR, ce qu'il a d'un petit peu particulier, c'est qu'il est à la fois compatible Tango, donc c'est la réalité augmentée de Google, et Daydream View, qui est la réalité virtuelle aussi de Google. Alors Daydream View, ça on va dire qu'on a presque l'habitude parce que Samsung fait ça depuis un an et quelques avec le Gear VR. Par contre, Tango, c'est assez intéressant parce qu'il y a déjà un smartphone Tango, c'est le Lenovo Fab 2 Pro. Qu'on avait découvert à San Francisco. Voilà, qu'on avait découvert à San Francisco. Juste avant l'été, ouais. Exactement. Alors, à mon avis, ça c'est vraiment personnel, le Fab 2 Pro, c'est un smartphone qui est de 6,4 pouces, donc c'est un truc qui est assez énorme, etc., qui est vraiment imposant et qui est pas vraiment haut de gamme, entre guillemets. Enfin, on va dire que c'est le smartphone, il faut vraiment, entre guillemets, être fan de Tango pour l'acheter. Et on va dire que je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans de Tango, de gens qui sont prêts à acheter un appareil. Pour une fonction en particulier, Autant pour la danse, il y a des fans de Tango, mais pour le smartphone, je ne suis pas sûr. Ils sont en Argentine, exactement. Après, et donc je pense que l'idée d'Asus est peut-être un peu plus maligne, entre guillemets, c'est de faire avant tout un bon smartphone, un smartphone haut de gamme avec un Snapdragon 821, avec un écran Super AMOLED 5,7 pouces, donc c'est quand même un grand format, mais ça reste un format qu'on peut avoir l'habitude d'avoir. Et même esthétiquement à l'arrière, parce que pour Tango, il faut pas mal de capteurs en fait derrière. Ben, ils ont réussi à faire un appareil où il y a la partie photo est imposante, mais pas très protubérante. Donc finalement, c'est un smartphone qu'on peut acheter et qu'on pourrait acheter presque sans savoir que Tango existe. Et alors, profiter de Tango plus tard peut-être. Tango plus tard. Et c'est pas mal, moi je trouve Tango sur le papier. Parce que même on a vu sur scène, on peut essayer des t-shirts sur des mannequins virtuels, etc. Ça marche plutôt bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'application. Donc à mon avis, le but d'Asus, c'est de vendre des smartphones, de créer, on va dire, une communauté d'utilisateurs, et ce qui pourrait stimuler les développeurs derrière et les motiver pour développer des applis. À mon avis, prendre le problème dans ce sens-là, c'est peut-être la meilleure solution pour donner une chance à Tango d'arriver et vraiment à tous les gens qui connaissent rien à Tango, qui vont voir arriver une appli, ils vont se dire pourquoi pas, ils vont voir que c'est bien. Du coup, les gens vont De tester le marché aussi. Mais au moins, lui laisser une chance que dire il faut acheter un appareil uniquement si on aime Tango, c'est un petit peu plus risqué à mon avis. Très bien, donc ça c'est pour Tango. Autre smartphone que tu as découvert, qui
va être sans doute un carton, c'est la nouvelle série des Galaxy A de Samsung. Voilà, exactement. Alors il y a les A3, A5, A7. Alors une fois de plus, le A7, c'est pas pour nous en France, pour des raisons stratégiques, etc. Ils ne sortent pas en France. Donc nous, on a le A3, A5 l'année dernière, on les avait testés l'année d'avant aussi. Mais l'année dernière, ils avaient été vraiment exceptionnels. Le A3 et surtout le A5 dans le milieu de gamme, ils avaient été vraiment impressionnants. C'est des super smartphones. Donc ils essaient de refaire un petit peu Samsung, mais essaient de refaire, d'avoir le même succès cette année. Donc les smartphones, grosso modo, on reste dans la lignée de l'année dernière, c'est-à-dire avoir des smartphones jolis. Là, ils reprennent même les courbes du Galaxy S7, on l'a pris en main. Il y a cette petite, le petit côté arrondi à l'arrière, il y a vraiment... Donc ça progresse encore en design. Ça progresse vraiment en design, ça progresse vraiment, il y a vraiment un niveau qui est passé. En plus de ça, il y a une autre spécificité intéressante, c'est que cette fois, ils sont IP68, donc ils vont dans l'eau. Donc clairement, alors ils vont dans l'eau, on ne fait pas de la plongée sous-marine avec non plus, mais si on le fait tomber... Ils vont dans l'eau, ils résistent à la poussière, etc. Ça résiste, oui, voilà, ça résiste très bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il y avait sur le S7 qu'ils ont importé, entre guillemets, sur les nouveaux Galaxy A. Il y a même un petit plus d'ailleurs. C'est qu'ils ont un port USB type C. Donc du coup, en fait, de fait, c'est les premiers smartphones Samsung à avoir ce port USB type C, puisque il y avait eu le Note 7. Mais bon, voilà. Le quoi Note 7, le quoi, il y avait eu le Note quelque chose. Mais malheureusement... Le pauvre ça, voilà. Note 7. Donc finalement, c'est les premiers Samsung à avoir ce port USB type C. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Alors, on peut les trouver à partir... On pourra les trouver début février. Pour le A3, ce sera 329 €. Et 429 € pour le A5, donc il y a une petite augmentation de 30 €, mais a priori souvent Samsung fait des petites offres, etc. Comptez en gros 300-400 € pour ces smartphones. Donc voilà, la question, la force l'année dernière, c'était vraiment l'autonomie, c'était des records là-dessus. Si cette année, en photo aussi, ils sont meilleurs et qu'ils sont toujours aussi autonomes, a priori, c'est carton à peu près assuré pour Samsung. Voilà, c'est-à-dire qu'après, il faut que Samsung trouve véritablement des innovations supplémentaires à rajouter sur son haut de gamme, parce que l'haut de gamme, finalement, presque perd presque un petit peu de son intérêt. Oui, quand alors on ils voit sont, ces téléphones-là. Ils sont obligés de faire une sorte de fuite en avant, effectivement, voilà. Sur l'autre gamme. Alors là, a priori, cette année, ça pourrait être sur l'écran. On a vu même une photo un peu fuitée. Je ne sais pas si c'est une vraie photo, mais a priori, ce sera un écran qui occupera vraiment toute la surface. L'intelligence artificielle, ça va être très important chez Samsung, a priori. Donc voilà, il va y avoir des vraies nouveautés. Par contre, il y a quelque chose quand même que les flagships, les smartphones vraiment haut de gamme ont en plus et qu'ils arrivent, enfin, qui les différencient vraiment du milieu de gamme, c'est au niveau de la photo. Aujourd'hui, entre la Galaxy S7 et le Galaxy A5, il y a vraiment une différence encore sur la photo. La qualité photo, on va dire que c'est encore l'exclusivité sur le haut de gamme. Alors, tu as vu aussi un drone. Oui. Étonnant. Il y a plein de drones. Hein, ouais. Alors, il y a beaucoup, d'ailleurs, beaucoup on va de drones. Y aller cet après-midi, on en reparlera détail demain, mais c'est bien de nous faire un petit apéritif. On va faire notre petite promenade drone dans le CES de Las Vegas tout à l'heure. Oui, alors théoriquement, c'est censé être un drone. Ça s'appelle le Hover Camera Passport. En fait, c'est plus une sorte de caméra volante. Ouais. En fait, ça ressemble, on voit les images. Ça ressemble à une sorte de livre qu'on peut ouvrir et qui va se déplier, qu'on va jeter comme ça en l'air, entre guillemets, et puis qui va nous suivre et qui va prendre des photos de nous et nous filmer en 4K. Alors franchement, je l'ai vu fonctionner devant moi, c'est impressionnant. C'est minuscule. On le jette en l'air, voilà, hop, il se met face à nous. On pose, il y a un bouton, c'est fini, il nous suit. Et alors voilà, on peut plonger, on peut courir, c'est on peut faire du vélo. C'est le selfie de demain. C'est le selfie de demain. Et vraiment, mais le est-ce qu'il t'a vraiment suivi, ce drone? Alors sur le stand, c'était un petit peu, on va dire, le périmètre était assez réduit quand même, mais a priori ça a l'air quand même assez efficace. Il pèse 240 grammes, donc c'est vraiment très léger. Mais il a tout le temps cette forme là ou alors voilà, on peut le replier. Voilà, en fait on le ferme, c'est comme un bouquin en fait. Donc on le ferme, on le met, je sais pas, dans son sac, mais à mon avis, s'ils arrivent à le perfectionner, je sais pas, dans 2-3 ans, ça pourrait peut-être la taille d'un, je sais pas, d'un petit livre qu'on pourrait mettre peut-être dans sa poche. Ouais. Donc c'est vraiment assez sympa. La qualité photo, tu as pu voir un peu? Alors non, c'est un peu difficile de juger de la qualité photo. C'est a priori, webcam, c'est du 13 mégapixels. Hein, donc, c'est pas mal. Et franchement, moi je trouve que ça, ce type de gadget, ça te plaît, génial. Ça. Hein. Ah non, mais attends, sincèrement, t'es en vacances, tu veux te faire une photo en famille, avec des amis, etc. Et ça te fait en plus des prises de vue. Mais professionnel, parce oui, que c'est hyper... tellement sympa sur tous les lieux touristiques, chacun aura son petit drone qui volera comme ça, les trucs vont se rentrer dedans, ça fera des bagarres générales, ça va être super. Mais le côté vraiment transportable partout, sur les pistes de ski, t'imagines. Non mais je trouve c'est voilà, il y a les DJI, il y a les trucs comme ça, etc. Ouais. Mais c'est bien d'avoir des petites choses comme ça qu'on va pouvoir porter sur soi.
Voilà, ça peut aller jusqu'à 30 km/h quand même. Donc on peut y aller même en vélo, c'est pas trop mal. Toi qui cours vite, alors moi je cours très vite quand même. Je cours, je cours à 45 ans. Ouais, 45 ans donc mais tu vas. Je vais ralentir un peu. on va faire un effort. Ah, n'importe quoi. Et par contre, il coûte quand même $600. Donc c'est pas $600. Un petit truc, c'est pas un petit gadget. Hein, c'est un vrai truc en fibre de carbone, etc. D'accord. Et je suis persuadé que le prix de ce genre d'objet, parce qu'il va y en avoir de plus en plus, ça va baisser. Mais il vaut mieux finalement un truc qui coûte cher au départ, ce qui prouve qu'a priori ils ont mis le paquet pour que ce soit un produit de qualité. C'est ça, moi je trouve ça le crédibilité. Cochonnerie. Voilà, exactement, je suis d'accord à avec $50. Quoi. Et puis non, mais le but c'est peut-être que dans 2-3 ans, il y ait des versions vraiment miniaturisées à je sais pas, $150-$200. À mon avis, ça va vraiment, ça peut vraiment bien marcher en tout cas. Super. Merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup Raphaël pour ce coup d'œil. La rédaction de 01net, hashtag 01live. Jérôme, t'as regardé un petit peu? Oui. Oui, on a par exemple Léo tiens, qui réagit à ce que tu disais concernant les drones. Le problème avec les drones, c'est qu'on ne peut pas s'en servir en France. Et c'est compliqué. C'est vrai que typiquement ce genre de petit drone là, selfie, est-ce qu'on peut, si on est dans un parc, le lancer, faire des photos? Je suis même pas sûr. Alors, je crois pas. Aux États-Unis, il n'a pas besoin d'être certifié par la FAA. Donc c'est justement l'autre avantage de ce drone, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par les process juridiques, etc. pour faire voler son drone. Oui, parce qu'il est léger, je crois. Hein, voilà. C'est ça. Et comme il est très léger, il n'y a pas besoin. Alors en France, il faudrait voir juridiquement si on peut le faire voler partout. C'est le cas aux États-Unis, donc c'est vraiment justement un de ses points forts aussi. Voilà, en France, il faudra voir, mais c'est sûr que si à chaque fois qu'on veut faire voler son drone pour faire un selfie, il faut avoir une autorisation ministérielle, ça va être un peu compliqué. Ça va limiter les ardeurs, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Dernière question concernant le drone, est-ce qu'il il évite les obstacles? Je ne sais pas si tu en as parlé. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une intelligence artificielle pour éviter les obstacles. Voilà, c'est pas encore peut-être du niveau du DJI ou voilà, des drones quasi professionnels. Non, pour l'instant, c'est vraiment autour du tracking. A priori, sur les prochaines versions, il y aura sûrement des fonctions pour éviter les obstacles. Est-ce qu'il te dit smile ou cheese? Non. Non, il ne va pas jusque-là. Bon, il ne va pas jusque-là. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Merci. Raphaël Grabi, la rédaction de 01net.com. Hashtag 01live sur Twitter. N'hésitez pas, vous le savez, nous sommes en direct, vous pouvez réagir. On vous l'a promis, on parle maintenant de télévision dans ce 01 Live spécial CES de Las Vegas, tout de suite avec notre invité. Et c'est donc Stéphane Curtelin. Bonjour Stéphane. Bonjour. Monsieur Télévision, on peut le dire. Ah oui, Monsieur Télévision chez LG. Voilà. LG France. Hein, c'est vrai, on est à Las Vegas, mais on est bien content quand même de rencontrer des interlocuteurs français. C'est plus facile pour une web TV française, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Parce qu'on n'est pas encore hyper fluent en Corée. Moi, c'est pareil. Le budget traducteur est assez limité. Donc On va se débrouiller avec les moyens du bord. Bon, encore une fois, on a été éblouis, épatés par les télés LG, qui sont de plus en plus belles, de plus en plus fines, etc. Et notamment les images là, je pense. Le dernier modèle qui est exposé sur le stand d'LG, donc ici au CES de Las Vegas. Il n'y a pas que la télé, hein, il y a aussi des robots, mais on va en parler, hein, Jérôme. Ah ben on en a parlé hier. Moi je veux bien qu'on en remette une couche, mais c'est vrai, on va poser la question à Stéphane. Alors d'abord ce téléviseur ultra fin de 2,5 mm, ça ? Oui, exactement, 2,5 mm, c'est juste époustouflant. C'est, alors on pourrait presque dire que c'est la fin de l'histoire parce qu'après il n'y a plus beaucoup de gains possibles. Il n'y reste plus loin. Voilà, il ne reste plus que la dalle, OLED. Donc cette technologie, encore une fois, prouve son côté fabuleux pour la qualité d'image, les contrastes, la couleur et pour la partie design, puisque là on est au maximum de la finesse, 2,57 mm. C'est une dalle qui se dépose, elle est aimantée. Donc on a cherché à optimiser tous les éléments de la pose, du design d'un téléviseur dans son salon ou dans sa chambre. Donc on peut la prendre et même à l'extrême on peut imaginer parce qu'on peut la décoller comme un aimant sur un frigo, comme un magnète. Hein. Donc si on installe la partie métallique qui est posée sur le mur, on pourrait la mettre à plusieurs endroits finalement. Exactement. Donc, mais j'ai l'impression de la placer dans sa chambre, faut pas la faire tomber. Hein, parce mais que, quand on voit la finesse de cet écran qui est presque flexible, j'ai l'impression quand il n'est pas sur son support. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir peut-être la télé du futur? Là, on s'en rapproche d'année en année, non? Alors, cette télé qu'on pourrait accrocher au mur, tellement fine que voilà, ça serait hyper simple à faire. Ben oui, alors c'est vraiment le sentiment. Enfin, moi, j'ai eu en voyant ce produit-là, c'est de la science-fiction, mais qui est disponible maintenant, enfin qui sera disponible en avril. Ça sort en avril. On va parler du prix dans un instant. Voilà. Non, on voit d'ailleurs le on parle du prix ou on va vous le dire le prix. D'accord. Ok, et alors quand même, avec un télé aussi fin, évidemment, il n'y a plus rien dedans, hein, il n'y a que la dalle, toute l'électronique est déportée, et le son également, parce qu'il n'y a plus de haut-parleur dans un Donc le produit est en effet livré et à utiliser avec une barre de son qui intègre toute la connectique, ainsi que la partie son, parce que le son a besoin d'espace quand même pour exister. Donc il faut quand même un meuble en dessous pour poser la barre finalement. Vous n'avez pas réglé ce problème là? Non, alors le son a toujours besoin d'espace encore. Et c'est pas forcément un gage de qualité de trop le compacter d'ailleurs le son. Donc c'est pour ça qu'on garde une barre de son conséquente qui intègre la technologie Dolby Atmos,
qui, je ne vais pas dire le contraire, on va mettre une petite étagère sur le mur pour poser la barre de son, par exemple. Voilà. C'est toujours de l'OLED. C'est toujours de l'OLED. Vous poursuivez à sur l'OLED. À fond. C'est vraiment votre, voilà, votre credo. Hein. Oui. Vous êtes sur cette technologie. Oui, oui, oui. Quand on voit Samsung qui lance à grand renfort de, voilà, de com le QLED pour contrer l'OLED, quelle est la réaction d'LG sur cette techno, donc le QLED de Samsung? Alors, on va rester sur ce qu'on s'était dit depuis deux ans. Il y a deux ans, LG, un peu plus de deux ans maintenant, a vraiment lancé un pari technologique et industriel sur OLED, donc l'OLED. Ce pari, il a été réussi l'an dernier au niveau mondial. En France, il s'en est vendu plus de 30 000 des télé OLED. Donc ça devient une réalité commerciale, une réalité pour le grand public. On pense que ça va doubler encore cette année. Donc on va continuer cette direction. Et j'ai l'impression que 2017, ça va être un peu aussi le sacre de l'OLED, parce qu'on dirait qu'il y a d'autres marques qui annoncent aussi. Oui. Qu'il se rallie à la cause de l'OLED également. Donc. Notamment Sony, avec en plus des dalques qui proviennent de vos usines, en fait. Voilà, hein. C'est ça, ouais, hein. Exactement. Mais d'ailleurs, ouais, c'est peut-être la raison pour laquelle Samsung ne veut pas aller sur l'OLED. Parlons clairement, c'est LG qui fabrique les dalles OLED. Samsung n'a peut-être pas envie de faire dépendre sa production de téléviseurs de son principal concurrent. Voilà, là, j'ai du mal à me prononcer sur cette partie-là, mais ce qui est certain... Allez, Stéphane, quelques confidences. Avec le décalage horaire et tout, là, c'est bon. Non. Non, mais moi, ce que je peux juste te dire, c'est qu'on est conforté de voir qu'il y a d'autres marques qui rejoignent la bannière OLED, sous la bannière OLED, et on reste persuadé que c'est une excellente technologie pour maintenant et je pense pour les 10-15 prochaines années. Les prix vont baisser de l'OLED, Stéphane Curtenat? Alors oui, ça va rester toujours du haut de gamme? Ça va rester du haut de gamme encore en 2017. Il est vrai qu'on a lancé une usine de production en 2000 qui devrait... porter justement de production supplémentaire, apporter son impact positif sur la disponibilité des produits à l'horizon de 2018. Donc peut-être qu'en 2018, il y aura une évolution. À court terme, sur cette première partie de 2017, les prix vont rester sur du haut de gamme. D'accord, justement. Et sur les tailles également, pardon. C'est-à-dire qu'on va rester sur du 55 pouces et plus pour l'instant en 2017. D'accord. Mais vous avez toujours dans votre roadmap de démocratiser cette technologie pour qu'elle remplace à terme le LED, comme vous nous l'aviez dit il y a quelques temps que cela? Oui, alors exactement, à terme, c'est en effet l'objectif d'arriver petit à petit à démocratiser par la taille et par le coût. D'accord. Stéphane Curtelin, très bien. On parlait de robots tout à l'heure, Jérôme. Oui, alors... C'est vrai que ça aussi, on vous a... Là, on a dit le prix de celui-là, de ce téléviseur? Non, on n'a pas encore dit le prix. Voilà. Il sera un petit peu moins de 10 000 euros. Merci beaucoup, Stéphane. Vous pouvez partir tout de suite. C'était très sympathique. C'est pour ça que je voulais garder le suspense. Ouais, moins de 10 000 euros pour quelle taille? Pour le 65 pouces. Ok. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça fait 1,65 m de diagonale. C'est beau. Et si je veux plus, parce qu'il y a plus grand. Hein. Oui, il y a 77 pouces aussi, 2 mètres de diagonale. Vas-y, Jérôme, attends, je te tiens. Si on veut plus, c'est plus cher aussi. Voilà, ouais, c'est normal. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est exponentiel, j'ai l'impression. Exactement, vous avez bien suivi. On est à 30 000. 30 000, c'est tout. Oui, voilà. Après, 77 pouces et 2 mètres de diagonale, voilà. Ouais, non, mais ça, c'est la télé ultime. Moins il y en a, moins il y a d'épaisseur et plus c'est cher. Voilà. Stéphane, un mot quand même aussi sur les robots, parce que là, on ne vous attendait pas sur ce créneau-là. Les robots. Vous vous lancez dans cette aventure. Oui, oui, oui. Déjà, est-ce que ça va arriver en France ou est-ce que c'est vraiment, on va dire, pour le marché coréen ou américain? Alors, dans un premier temps, en effet, c'est pour le marché coréen et américain. Ces robots, c'était la pièce manquante du puzzle de l'électroménager et de la domotique. On avait d'un côté des aspirateurs qui étaient maintenant connectés chez nous, aspirateurs robots connectés. Mmh. On avait des réfrigérateurs, on avait des machines à laver, bref. L'intérieur de la maison est de plus en plus connecté. Il manquait une sorte de hub au centre pour pouvoir justement coordonner et être une sorte d'assistant personnel hub. C'est pour ça que ça s'appelle Hub Robot. Le chef des objets connectés. Exactement. Voilà. L'assistant personnel, la passerelle vers tous ces objets connectés. D'accord. Alors c'est celui qu'on voit actuellement, enfin on l'aperçoit là, le grand parmi les deux petits. Hein, voilà, c'est parce ça. Parce qu'il y a toutes les tailles. Ouais. Voilà, celui de gauche, c'est Hub, c'est ça? Oui, lui, c'est Hub Robot. Tête pensante, voilà, Hub Robot. Donc lui, et puis le petit à côté, c'est qui? C'est un satellite. Si on en met deux, ils se reproduisent, enfin, petit à petit, il faut que l'environnement soit positif aussi. Ne nous montrez pas les images. Voilà. Alors ça c'est des non, parce que ça se mélange, mais ça c'est des plus gros qui sont destinés au lieu public. Voilà. Et ça c'est une tondeuse. Voilà. Ah, donc, oui. Il y aura à l'aéroport de Incheon, donc à Séoul, le grand robot qui sera installé.
Et qui va être un assistant en fait pour vous dire où est votre porte d'embarquement, combien de temps vous avez. Un peu comme Pepper, c'est ça, qui est le robot d'Aldébaran. Voilà, qui cartonne au Japon notamment. Ouais. C'est vrai, dans les magasins, etc. Ouais. Sauf que le vôtre, celui d'LG, il est plus gros, il n'a pas de bras, il fait plus costaud que Pepper, parce que Pepper, tu lui donnes une gifle, il s'enrhume. Hein. Ouais, non, là, il faut y aller. Un robot s'enrhume. Enfin, ouais. Bon, façon de parler. Oui, j'ai compris. Alors, attends, revenons à celui, parce que ça, c'est celui que j'aurai chez moi bientôt. Voilà. J'espère, hein, s'il sort en France. Parce qu'on est complètement à la ramasse, nous, en France, avec cette histoire-là. Entre les télés et les robots. C'est bon, Jérôme va acheter pas mal de choses chez LG, là, j'ai l'impression, en 2017. Donc Hub, il est compatible avec Alexa d'Amazon, c'est-à-dire exactement. Au niveau intelligence voilà. artificielle. Vous vous êtes dit chez LG, bon, on va pas se lancer là-dedans, il y en a qui ont déjà de l'avance, qui marchent bien, qui sont déjà en train de tisser leur toile. Essayons de jouer la complémentarité, c'est exactement, ça ? Exactement, c'est la complémentarité, c'est très bien résumé. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui ont avancé avec notamment la connexion avec Amazon, bah, c'est l'achat de produits. Donc on l'imagine pour le robot, on l'imagine aussi pour le réfrigérateur connecté, où je pourrais demander à mon réfrigérateur connecté de me racheter du lait, des œufs, etc. en disant « Alexa, s'il te plaît, rachète une boîte d'œufs ». Oui, parce qu'avec Alexa, on peut commander voilà. sur Amazon. Oui. C'est bizarre. Voilà. Mais il y a un truc, c'est que on peut demain imaginer Alexa même dans les télés, non ? Alors, c'est complètement stupide. Alors, c'est vrai que... Dire ça. Non, c'est pas du tout... C'est pas Alexa dans les... Pardon, alors, si j'ai bien compris... Je vais faire la réponse à la place de Stéphane. Merci. Oui, donc Jérôme Colombe d'LG France. Oui, absolument. Oui, écoutez. Non, mais en fait, Alexa, il reste dans le robot. Mais comme le robot communique avec la télé, voilà. c'est QFD. Tu n'as pas besoin de mettre Alexa dans la télé. Ouais. Tu vois le truc ? D'accord. On va bien s'amuser pour expliquer tout ça aux gens en 2017. Ça, c'est je clair. Vous raconte pas. 01net avec Doliprane. Ouais. C'est écrit en dessous, comme ça. Ça va être sympa, tiens. D'accord. C'est à peu près ça, Stéphane. C'est ça. Alors, ce qui est aussi vrai, c'est qu'on en est on dirait, à la préface de cette nouvelle tendance des robots, intelligence artificielle, ce qu'on appelle le deep learning aussi. Et ces nouvelles pages qui s'ouvrent dans l'histoire de la high-tech, c'était de la science-fiction, on en commençait à en voir quelques prémices. Et là, chez LG, on se dit que maintenant, voilà, il est temps d'ouvrir cette page, d'écrire ces pages-là, ce chapitre-là, sur justement les assistants personnels à la maison ou dans des lieux publics. Très bien. Bravo. Parfait. Alors, je sais pas si on a les images, je pense pas, et JD va se gratter la tête et va nous en vouloir après. Vous savez qu'il y avait cette petite enceinte aussi, tu sais, en lévitation, qui était toute mignonne. Ah oui, bravo. JD, alors là, tu sais quoi, une hola pour JD, si vous voulez, mesdames, messieurs. Bravo. Hop là. Voilà. Et Pierre également, Pierre. Regardez cette petite enceinte donc, qui tient comme par magie. C'est quoi c'est de l'induction, c'est ça? C'est de par magnétisme en fait. C'est des aimants qui se repoussent. Ce sont des aimants, exactement. On a tous expérimenté ça. Et donc ça marche très bien. Voilà. Et ça apporte une touche design surprenante. Mais ça sert à rien. C'est pour du design. Stéphane, on se connaît assez pour pouvoir se dire les choses. Hein. Ah, ça n'apporte rien au niveau du son, je suis d'accord. Ouais. Par contre, ça apporte une vraie touche au niveau design qui est plus surprenante et qui viendra agrémenter l'intérieur. La grosse base qui est en dessous. Très sympathique. Oui, il faut la grosse base en dessous. Oui, alors la grosse base, l'intérêt, c'est que ce sont celles qui sont de basse. Voilà, quand même, il y a un intérêt. Ils pensent à tout. Ils ont pensé à tout. Il y en a qui réfléchissent quand même. Ah oui, ça franchement. Et ça va sortir en France ou... Oui, ça sortira au printemps. D'accord. Tout à fait. Il y a du sien. Et on a le prix ou pas? Pas encore. Ça va pas être 30 000 euros. Non, c'est beaucoup plus raisonnable. Il y a Lucien qui nous dit, mais justement, pourquoi la France passe toujours après les Américains et Asiatiques dans les technologies? Non, pas toujours, c'est pas vrai, pas toujours. Mais là, c'est vrai que sur la robotique, comme les acteurs sont Amazon et Google et un petit peu Apple, et que c'est quand même lourd, hein, cette révolution, c'est vrai que ça démarre d'abord sur le marché américain. Mais ça arrivera en France. Hein. C'est clair. 2018. On passe pas tout le temps après. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Stéphane Curtelin, qui a fait le déplacement, qui a changé de bâtiment pour venir nous voir et tout. C'est très sympa, merci beaucoup. Stéphane Curtelin, donc d'LG France. Ne bougez pas, mon cher Stéphane. Tout de suite, nous allons, puisqu'on parlait d'innovation à la française, et on disait que tout ne sortait pas en France, quand on a des innovations françaises, elles sont disponibles chez nous. Oui, François, mais juste avant, eh bien, sache que nous sommes sur le stand ici de la Poste, toujours, et juste à côté, nous avons un candidat à l'élection présidentielle qui est là, voilà. Et qui vient de rencontrer à l'instant, je ne sais pas si on va voir les images de Pierre... De Pierre Thiolin, c'est François Fillon qui est à quelques mètres de nous. Est en visite sur le CES de Las Vegas. Il vient de partir à l'instant, il est en train de partir. Voilà, donc il se promène depuis hier en fait. On nous dit qu'il a passé beaucoup de temps du côté des voitures notamment. Oui. Je crois que c'est une passion. Et je pense qu'il va aller même du côté des drones aussi parce que je crois qu'il adore les drones. Voilà, petite parenthèse pour vous dire comme
ça bouge, hein, à quel point ça bouge ici au CES, y compris du côté des Français. Hashtag 01 Live, je vous rappelle que nous sommes en direct sur Twitter, vous pouvez nous laisser vos petits messages. Il y a toujours aussi notre question 01net€, engin, vous pouvez retrouver sur www.01net.com ou 01nettv.com où on vous demande un petit peu ce que vous allez retenir de ce CES 2017. N'hésitez pas à voter, regardez les robots, les objets connectés, la voiture intelligente, les startups françaises, qu'est-ce qui va marquer selon vous ce CES 2017? N'hésitez pas, faites un petit tour sur 01net.com. Notre nouvel invité s'appelle Jean-Laurent Chaube. Bonjour. 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 Monsieur Chaube, bonjour. Hein? Merci d'être avec nous. On vous connaît parce que on vous a déjà rencontré l'année dernière, Jean-Laurent. Tout à fait. On vous a rencontré grâce et pour ce petit produit que j'ai entre les mains. Il a une drôle de tête, hein, quand même, ce petit produit. Il est très joli. Oui. On dirait un peu une goutte d'eau. C'est le WIN, W2EN. Exactement. Vous êtes donc une start-up française. Et ce WIN, c'est un thermostat intelligent. Voilà. En fait, c'est le premier thermostat connecté temps réel. C'est-à-dire qu'on a connu dans les technologies du thermostat. Je vais le prendre. Si vous me permettez. Je vous en prie. Ça ne vous embête pas. Hop là, comme donc ça, on a connu dans les thermostats connectés qu'on pilotait depuis son smartphone. Puis les thermostats apprenants qui apprennent les habitudes du planning hebdomadaire. Ouais. Et le thermostat temps réel, c'est un thermostat qui est capable de réagir aussi à tous les imprévus, puisque en temps réel, il va pouvoir baisser la température quand on quitte la maison et la remonter avant que l'on arrive chez soi. Et alors comment sait-il que l'on quitte ou que l'on va bientôt arriver? Eh bien en fait, on lui déclare des téléphones portables et c'est ça fonctionne par le signal GSM des smartphones. Ouais. Des messages qui sont cryptés et qui sont envoyés à la WIN pour lui dire « je suis en train de rentrer à la maison ». Et donc c'est une qualité aussi de confort, parce qu'on est sur une température qui est vraiment ultime et très très précise, et qui fait que à la fois, dès que je quitte ma maison, je vais faire des économies, et en même temps, dès que j'arrive chez moi, il fait déjà bon. Mais dites-moi, il y a plusieurs personnes souvent qui vivent dans une maison, donc comment est-ce qu'il peut gérer une famille de 4, 5, 6 personnes? Alors nous, pour l'instant, on a limité la famille à 16 personnes, mais ça devrait pouvoir fonctionner. Ça devrait, vous pouvez faire des belles fêtes. Je veux dire, il faut être intelligent pour savoir que le dernier est parti, que quand il y en a un qui sort, il en reste deux. Alors tout à fait, donc c'est d'ailleurs de l'intelligence artificielle, qui pour nous, de temps en temps, on dit de l'intelligence réelle, parce qu'on est sur la réalité de la vie des familles. Et donc en effet, on prend en compte l'ensemble des smartphones, on prend même en compte les habitudes de présence des enfants qui n'ont pas de smartphone, qui rentrent de l'école, parce qu'on a une détection de présence qui se fait aussi. Et on va travailler tout cela dans des algorithmes qui sont logés dans la WIN et qui vont en effet calculer le dernier parti et le premier arrivé. D'accord. Voilà. Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est que WIN grandit. Je me souviens, les dernières, c'était un prototype. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors tout à fait, l'an dernier, quand on s'était vu, c'est notre premier CES. On avait un prototype, on avait gagné un award, parce qu'il faut savoir qu'on est l'un des deux brevets au monde de cette technologie temps réel appliquée à la maison. Et on est en effet venu avec un prototype. Nous avions rencontré déjà beaucoup d'industriels et de clients potentiels. Et on avait réalisé une première levée de fonds aussi, de 2 millions d'euros à ce moment-là. Et c'est vrai que la belle histoire qui nous arrive, c'est que depuis, on a rencontré des promoteurs immobiliers, des grandes enseignes. Et donc au bout d'un an, on a non seulement industrialiser le produit, mais aussi on le commercialise. Je peux acheter WIN. Voilà, aujourd'hui vous pouvez acheter WIN sur le site. Vous allez pouvoir l'acheter dans quelques semaines dans des enseignes de bricolage. On est présent chez Leroy Merlin, chez qui on a gagné d'ailleurs le prix de l'innovation, qui fait qu'on est dans tous les Leroy Merlin de France, ce qui est assez énorme pour une start-up comme nous. Ça, c'est clair. Puis aussi, on a signé un très beau partenariat avec Bouygues Immobilier, qui est un des acteurs majeurs de la promotion immobilière, et avec qui on va donc équiper, c'est dans l'île de France, dans le nord de l'île de France, les premiers appartements par la technologie WIN. Donc vous incarnez typiquement la start-up française, French Tech, qui vient au CES une première fois, qui se fait connaître. Et qui en un an explose finalement. Mais tout à fait. C'est vrai que c'est le message qu'on veut aussi passer à toutes les start-up et à tous ceux qui se lancent dans cette aventure-là. C'est que nous, ce qu'on trouve très très intéressant avec ce qui se passe dans la French Tech, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie proximité entre les groupes du CAC 40 et nous, les petites startups, et vraiment, je remercie tous ces grands groupes qui vraiment nous font confiance. On fait des réunions de syndic aujourd'hui avec Bouygues Immobilier, donc dans le nord parisien. Et on a accès à leurs clients directement, on leur propose la WIN, ils signent le contrat, on passe avec eux. Enfin, c'est un vrai énorme levier. C'est formidable, vous le dites, c'est un discours très positif, hein, vous avez raison. Mais malgré tout, on sait bien que les startups, là il y a plus de 200 startups françaises qui sont présentes à Las Vegas, puis il y en a encore plein d'autres qui ne sont pas venues, mais qui sont très actives sur le territoire français. Mais le
On sait très bien que parmi les startups, il y a un taux de mortalité qui est quand même très élevé. Oui, moi je pense que quand on était venu l'an dernier, je pense qu'on avait à peu près 3 chances sur 4 de mourir avant la fin de l'année. Ouais. Là, on a sorti le premier produit, ouais. On a les premiers commandes. Je pense qu'on n'a plus qu'une chance sur 2. Voilà, parce qu'il faut encore aller un petit peu plus loin. Ça, c'est une réalité aussi. C'est une vraie réalité. Moi, je sais que... Alors nous, moi, c'est ma toute première startup et j'ai aucune expérience avant de ce monde-là. Je pense que ce que j'ai vu, c'est que la vraie différence, c'est quand vous avez une techno, vous avez un brevet, vous avez une, voilà, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Nous, les objets connectés, il y a un tel boom qu'il y a quand même des places à se faire. Mais il faut arriver à quelque chose de singulier, de différent. Nous, on est singulier par le design, on a une technologie de rupture, il n'y a rien à faire du tout. On part avec son smartphone, on s'occupe de rien, ça marche tout seul. On fait deux fois plus d'économie qu'un thermostat traditionnel. Ouais. Donc, voilà, c'est tous des arguments. Il faut sortir du lot, quoi. C'est important. Il faut sortir du lot, selon vous, c'est la différence, pour faire la différence, pour ne pas mourir. Mais est-ce qu'il faut aussi arriver à faire passer le message de l'usage? Il faut que les gens se disent tout de suite, ah ben ça va me servir. Parce que la réaction pour beaucoup d'objets connectés, c'est, oh là là, mais encore du gadget, c'est n'importe quoi. Ça finit dans un tiroir. Ouais. Ça finit dans un tiroir. Alors tout à fait, nous, on a tenu à faire ces réunions avec les syndics et les propriétaires. Et donc, on avait 20 personnes qui n'avaient... J'ai fait lever la main sur 20 personnes, il y avait 2 personnes qui avaient entendu parler des thermostats connectés avant de venir à la réunion. Donc voilà, donc 10%. Ah oui. Et à la fin, les 20 ont signé pour avoir la win. Mais il faut en effet leur parler tout de suite. Nous, on leur dit, voilà, nous, la technologie, c'est vous n'avez rien à faire, vous avez un smartphone dans la poche, tout le monde comprend qu'il a eu un thermostat programmable, qu'il a arrêté de le programmer, que c'était fatigant, qu'il a oublié, qu'il ne l'utilise plus du tout. Quand on explique qu'on réchauffe la maison avant qu'ils arrivent, il y a une côté confort qui est assez sympa. Voilà, on est une start-up, on est français, ils nous voient. Et ça, c'est en effet l'usage qui fait la différence. Deux petites questions techniques. On ne l'a pas dit, mais c'est pour les chauffages centralisés, les chaudières, etc. Alors, c'est tout le chauffage individuel. Tous ceux qui ont déjà un thermostat chez eux peuvent utiliser Win. Chauffage électrique, gaz, fuel, pompe à chaleur, plancher chauffant, tout type de chauffage. Et autre question, tout à l'heure, on parlait d'Alexa, on parlait des robots, etc. Est-ce que c'est interfaçable avec un système comme Alexa ou comme Google Assistant? Alors, nous, l'an dernier, on avait vu aussi les gens de chez Amazon sur Alexa, donc c'est tout à fait interfaçable. On est là en discussion avec HomeKit, on est en discussion avec La Poste sur le hub. Donc oui, de toute façon, il faut que les objets puissent communiquer ensemble. C'est très important. Ça coûte combien? 349 € TTC. Et l'offre de lancement, c'est qu'il y a 3 mois d'essai gratuit. Donc j'essaye, si ça ne me plaît pas, je rends. Vous avez 3 mois, vous envoyez un mail. Et si vous l'achetez sur le site internet, on vient même le chercher chez vous. Et si vous l'achetez chez Leroy Merlin, c'est ramené au magasin. Bravo. Voilà. Bon, bah alors l'année prochaine, vous êtes une licorne française. Vous viendrez en limousine, en hélicoptère, ici même. Si peut-être on a envie, ça sera génial. Zéro Internet TV. Voilà. Avec grand plaisir. En tout cas, bravo. C'est très sympa comme ça de suivre les étapes d'une start-up qui monte. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Laurent Chaube. Alors c'est vrai qu'il y a une réaction, par exemple, sur Twitter, Fodlock qui nous dit « Il y a trop d'objets connectés, on ne sait plus où donner de la tête. » Rassurez-vous, nous non plus, on ne sait plus où donner de la tête. Mais il va y avoir un écrémage naturel, on va dire. Comme ça que ça va se passer. Certains vont disparaître malheureusement et d'autres parviendront à vous séduire très certainement. François, on arrive au bout. On va se retrouver bien sûr demain. Et vous le savez, ce CES de Las Vegas est à vivre au quotidien sur Zéronet TV. Alors bien sûr, il y a le live. On sera là demain soir entre 20h et 21h. On sera là aussi dimanche. Mais regardez régulièrement Zéronet TV. Abonnez-vous même sur notre page YouTube. Comme ça, vous serez en temps réel averti des nouvelles vidéos qu'on poste. Et il y en a beaucoup parce que l'actualité est très très riche ici. Merci. Un petit coup d'œil sur la question orange du jour. Vous allez sur www.zeronet.com et vous nous donnez votre avis sur ce CES, de ce que vous envoyez à travers nos reportages. Qu'est-ce qui vous intéresse? Les robots, la voiture intelligente, les objets connectés, les startups françaises? Voilà, vous votez, puis on fera le point très prochainement. Merci de nous avoir suivis. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver en direct et puis aussi à regarder le replay de ces lives qu'on vous propose tous les jours ici sur le stand de La Poste. Et on se retrouve, Jérôme, demain. On se retrouve demain. Merci à Jean-David Duarte qui réalisait ce live et à Pierre Thiolin qui est là également et qui était dans le coup aussi et à toutes les images qu'ils ont tournées depuis plusieurs jours. Très bonne soirée à Paris et à très vite. Salut à tous.